Hello, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je sais pas si ça marche. Oui, si ça marche. Eh bien, je viens pour vous parler des jeux que j'ai eus dernièrement, que l'on m'a offert. Alors, c'est dommage, là, je crois que je les ai pas tous, mais quand même. Et aussi des échanges que j'ai pu faire. Parce qu'en fait, comme vous le savez, je ne suis pas collectionneuse, mais il y a des jeux sur lesquels je craque. Il y en a que j'offre. Parce que comme je ne fais pas la collection de jeux que les autres puissent en profiter. Mais du coup, parfois je regrette parce que j'ai de l'affection pour certaines personnes et je me dis que c'est bien d'avoir quelque chose de la personne, de ce qui vient de son cœur, de sa création. Bref, tout ça pour vous dire que vous le savez, je suis assez proche de Solveig. Et en fait, voilà, je lui avais acheté deux jeux pour les offrir. Et puis moi, au final, je m'étais un peu lésée sur le coup. Et je pense qu'elle devait être aussi déçue que moi, je pouvais le regretter. Et bah, comme on se parle, alors on se fait de temps en temps des petits cadeaux. Et elle a commencé par m'offrir, alors je parlerai du sien en dernier, mais alors, quels sont les jeux qu'elle m'a... Ah bah, voilà. Et puis je vous montrerai là aussi, parce que j'en ai eu un de Julien Gabriel. En fait, ça a été mes cadeaux de Noël. J'arrive un petit peu après la bataille, mais... Ça, c'est bien moi. Alors, la première fois déjà que j'ai fait un échange, c'était avec Saint-Cyd, Hugues exactement, de la chaîne Saint-Cyd, et il m'avait dit, bah, si tu veux, il y a des jeux que moi, j'aime pas trop, si tu veux, je te le vends, et moi, ça me permet d'en acheter un autre. Donc, faites-le, ça, avec lui. Je sais que... Il peut lui arriver, voilà, de vouloir, entre autres, celui-ci qui est magnifique. Alors, voilà, c'est un tarot, hein, un tarot qui s'appelle. Alors, j'ai pas mes lunettes en plus, et je sais pas où elles sont. Beautiful Rebellion. Voilà la boîte. D'accord, elle est un petit peu dorée, ben, c'est vrai, voilà, vous pouvez la voir. D'accord, dedans, elle est même signée, et numérotée. Bon, ça c'est le dos de la carte. Et alors ce jeu, moi je trouve magnifique. Hein. Bon, je vais pas toutes vous les montrer, mais vous voyez, voilà. C'est que des femmes. Je fais vite, hein, parce que sinon. Si jamais vous vouliez le lien, bah, je vous le donnerai. Je pense qu'il l'a acheté sur des sites. Il sert souvent sur les sites étrangers. Je suis fan. Bon, je ne saurais pas m'en servir tout de suite, je pense, puisque le tarot, comme vous le savez, je l'ai découvert avec Mime. J'étais pas du tout une adepte des tarots. Et au final, je trouve qu'il y a une grande corrélation. Je baisse la tête. Ouais, bon, bref. Il est magnifique, non? Hein, trop beau, trop, trop beau, trop, trop beau ce jeu. Trop, trop beau. Ah. Bon, à la limite, voilà, je vous en montre quelques-unes, mais si vous voulez aller voir, peut-être qu'il a fait une review sur ce jeu. Je pourrais vous mettre également une petite musique, ce serait peut-être plus sympa pour vous. Ce que je ferai sans doute en remontant la vidéo, comme ça, ce sera plus agréable. Bon, vous avez vu à peu près l'esprit, voilà. Celle-là est très belle aussi, celle-ci. Quoi d'autre? C'est là, peut-être, le magicien. Mais vous voyez, c'est que des femmes. La
La papesse. Ou c'est l'impératrice. Non, je crois que c'est la grande prêtresse. Donc, magnifique, non, la papesse, quand même une papesse comme ça, on n'en a pas vu, on n'en voit pas tous les jours. La tour, moins que je vous montre les arcanes majeures. Alors, ça, c'est, ah oui, celle-ci. Ça, c'est un clin d'œil à Mime et à Letty, à Laetitia Tarot. Trois de coupe. Ils sauront pourquoi je leur fais ce clin d'œil. Le fou. Queen of Pentacles. Bon. La justice. Donc voilà. Ça, c'est un jeu que vous pouvez aller. Vous pouvez aller visionner la review. Sur la chaîne de Saint-Cyd. Il a toujours des jeux extraordinaires. C'est une chaîne sympa. Et puis lui est adorable. Donc voilà. Si peut-être qu'il échange des jeux, mais il faut qu'il soit rare. Hein. Il cherche là, je crois, là. Bon, il n'y a que moi qui les regarde. Pardon. La rareté des jeux. Donc ça, c'était. Le Rebellion, Beautiful Rebellion, pardon, mon anglais, Beautiful Rebellion, ça va mieux comme ça, non? Voilà. Après, alors avec Soso, donc, comme on aime bien s'offrir des petites choses, je lui ai demandé un qui me faisait très plaisir et je l'adore. Celui-là aussi, il doit être assez rare, donc je suis contente de vous le montrer. Il s'appelle. John Bower Terrace. Et alors, il est un peu particulier, mais j'aime bien, il est original. Donc, ça, c'est le 2 de coupe. Donc, ça, c'est les coupes, hein. Voilà. Il me fait un petit peu penser à des énergies. Je trouve qu'il a des. Non, non, bah non, finalement, quand je vois d'autres. J'allais dire des énergies de vikings, mais pas du tout, en fait, là, pour le coup. pas du tout, je l'ai pas bien regardé, je crois. Mais ça n'empêche qu'il m'a plu tout de suite. Voilà. C'est. Voilà. Et celui-là. Les dessins sont vraiment particuliers, c'est pas vu quoi. Le fou, l'empereur, c'est l'empereur. On voit l'envers, le pape, dans le 2, hein? Les amoureux, enfin l'amoureux. Non, vraiment, je les aime bien ces jeux. Je comprends hein, qu'on puisse craquer pour des jeux qu'on devienne complètement. Ah, pardon. Accro. Mais je voulais pas tomber. Attendez, je sais pas où est l'endroit de l'envers, c'est terrible ça. Mince. Ah mais si voilà, c'est ça. Ça doit être ça. Hein? Oui, c'est ça, je crois. Et ben voilà, vous avez vu ce que ça donne quand j'ai pas mes lunettes. Je sais pas comment ils font ceux qui présentent les jeux et qui présentent toutes les cartes, je trouve ça. Pff. Presque laborieux. Y en a qui le font très bien. En plus, ceux qui vous expliquent les règles, ce qu'il y a dans le livre, comme le fait Claire Duval, Claire de la Lune, c'est joli, non? Hein? Ouais. J'aime bien celui-là. Butler. Trop mignon.
Non, vraiment, c'est un joli jeu. Et ça encore, c'est je l'ai vu sur une chaîne étrangère, je crois chez Hermit Caves. Regardez-le, celui-là en train de compter ses sous. Non, vraiment, j'aime bien la douceur du jeu. Déjà ses couleurs pastel. Voilà, j'ai pas, encore une fois, j'ai pas passé tout le jeu, mais c'est pour voilà, vous montrer les. Arrêtez de dire voilà aussi. On sait pas. Je vais me taire. C'est mieux. Voilà, on va passer Voilà, vous avez vu un petit peu l'esprit du jeu. Désolé pour le moment où ça brille. Voilà. Le reste, vous voulez le voir aussi? Je vois bien ce que c'est. J'en ai alors. Donc ça c'est. Oh, il est joli celui-là. Et c'est l'as de coupe. Jugement. Quoi ça? 19. Soleil. Tiens. Étoile, la tour foudroyée, le diable, marrant ça, tiens. Donc voilà, vous avez vu l'un de mes jeux préférés. Je montre aussi un jeu que m'a offert Juju. Voilà. Et voilà. Donc là, vous avez vu le jeu en entier de John Bower Tarot. Après, la boîte, la voici. D'accord? J'ai demandé. Celui-ci, je m'en sers pas, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Pas le temps en ce moment. Mais c'était j'avais sorti les jeux pour justement vous en parler. Bon, j'ai eu aussi. Je me suis acheté celui de Celia, le Lily White, et ma Mimoune de Mimim. Bref, m'a offert la moitié. Enfin, voilà, c'est un cadeau partagé. Vous le connaissez, hein, il est magnifique celui-ci, celui de Célia. Bon, voilà, il est super beau.
La patte de Célia, on la connaît et on sait ce qu'elle vaut. Il y a plein de reviews, hein. D'ailleurs, si vous voulez aller sur la chaîne de Célia, elle l'a fait en black et en. Et donc, moi, j'avais envie du blanc. Mais pareil, hein, au départ, je voulais pas me l'acheter. Puis, c'est à force de le voir, c'est encore à cause de Hugues, de la chaîne Saint-Cyd, ça. Quand il l'a montré, oh, je me suis dit, oh non, je le veux, il est trop beau celui-ci. Voilà. Mais je me sers plus à la limite de son petit jeu de tennis, le Normand, par exemple, que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est le premier pour lequel j'ai craqué. D'ailleurs, j'avais fait un échange avec elle sur ce premier jeu. Voilà, sa boîte magnifique. Donc ça, c'est le deuxième. Le troisième. Et après, il y a celui-ci, le Fairy Oracle de Arthur Rackham et Jamie Elford. Alors voici les... il y en a qui parlent de la qualité des cartes. Alors c'est bien parce qu'il y a un petit livret dedans en plusieurs langues. Et puis il y a surtout des petites phrases, voilà. Concernant chaque carte en français. Et en... Alors, ce que j'ai fait, moi, j'ai écrit en doré dessus. Je vais dire que je regrette une chose dans ce jeu. Je l'adore, hein, vraiment. Il y a plein de détails. Bon, d'abord, c'est qu'il est très brillant. Et secondo, comme il y a beaucoup de détails, parfois, les cartes sont un peu sombres pour voir ce qui se passe. Et pourtant, il y a vraiment, vraiment beaucoup de détails. Vous voyez, il y a quelqu'un là qui est caché dessous, sous l'arbre. Et c'est bien dommage parce qu'il a vraiment, il a vraiment du cachet. Je pense qu'à la prochaine impression, il devrait éclaircir un peu les. Bon, bah oui, j'ai marqué dessus. Moi, tout de suite, il fallait. Il fallait que je me l'attribue. Il est beau, non? Voilà, vous avez vu, j'ai marqué dessus. Voilà. Pardon. Il y a vraiment des très, très, très jolies cartes. Donc ça, c'est encore Massot qui me l'a offert. Celle-ci est très belle, cette carte, par exemple. Bon, c'est encore des tarots, hein. À croire que... Non, je vous dis n'importe quoi. C'est un oracle. Il me fait penser au tarot. J'essaye de faire vite. Déjà 18 minutes, allez, on n'a pas que ça à faire. Parce que je veux en venir quand même à... Bon, ça c'est celle de la boîte qui est très très belle de l'étui, quoi. Celle-ci j'aime bien. Cadeau. Trop joli. Père Noël. Alors parfois on se demande ce qu'on voit. Là, ce sont les défenses. J'ai vu une abeille, j'en sais rien, sur des rhododendrons. Mais c'est assez. Elles sont pas. C'est un jeu de fées, mais. C'est pas trop. Cucu. Je dis ça, en même temps, j'ai eu un jeu là de Commander in Virtue, j'en ai un hein, de. Avec les anges, et ça me faisait bien craquer avant. Maintenant, je suis moins. J'en ai un autre aussi sur les anges roses.
On change, nos goûts changent et à la limite tant mieux. Puisque... Donc voilà. Et je m'en suis servi, il fonctionne pas mal celui-ci aussi. Et alors, il m'est arrivé celui de Masso. Et il est arrivé dans sa petite boîte. Voilà, avec différents tirages, vous le connaissez, hein. Et bien sûr, devinez le numéro qu'elle m'a attribué. Elle me met ma Katia avec toute mon amitié et tout mon amour. Et elle m'a mis le numéro 77. Donc un petit coucou à toi, ma Soso, je l'adore ton jeu. Trop contente de l'avoir. Et bien sûr, quand je l'ai eu, je lui ai dit, écoute, je l'ai, je veux l'ouvrir devant toi. Donc je l'ai ouvert devant et j'ai adoré tout de suite la qualité. Glisse, facile, nickel. Pour mes petites mains, juste bien. J'aime pas ce qui est trop gros. Par exemple, le Fairy Oracle, il est beaucoup trop gros pour mes mains. Et celui-là, il est de. Il est comme Soso, quoi. Gai, simple. Il y a tout ce qu'elle est, je trouve. C'est vraiment elle, sa spontanéité, son naturel. C'est sans. C'est naïf aussi. J'aime bien. Elle a ce côté sympa, drôle. Et y a tout d'elle là-dedans. Et puis quand je l'ai fait, je lui ai dit, écoute, ma Soso, ce que je vais faire, je vais mélanger les cartes. Donc c'est comme ça que j'ai découvert que j'adorais ce jeu. C'est sa prise en main. Et je lui ai dit, je vais tirer trois cartes pour savoir pour connaître le rapport que j'aurai à ce jeu et à toi par extension. La première carte qui est sortie, c'était la cigogne. J'ai dit, ah, c'est bizarre quand même. J'ai dit, comment tu les. Elle me dit, oh, il va y avoir du mouvement, tu sais, tu peux bouger ou. Puis moi, la cigogne, je la connaissais plutôt en tant que projet. Moi, j'avais une petite idée dans ma tête. Alors, moi, je l'ai laissé dire, hein, parce qu'elle connaît bien son jeu. Mais quand moi, il est sorti, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ça me fait plus penser à une naissance, moi. Et puis, j'ai tiré la protection derrière. Donc, j'ai dit, tiens, ça me parle. Ça me parlait bien. Je lui dis d'ailleurs après ce que je pensais de ça. Et ça concerne un projet artistique. Donc voilà, le rapport que j'ai à ce jeu, c'est que, à mon avis, je saurais très vite le lire. Et voilà. Et voilà, donc si vous voulez vous le procurer, d'ailleurs, je sais qu'elle en a encore quelques-uns. Sincèrement, il est d'une super qualité. Hein, allez voir ça. Je vous mettrai sa review sous la vidéo aussi. N'hésitez pas à me demander les autres si jamais, si jamais j'oubliais. Comme ça, je le mettrai dans le menu déroulant sous la vidéo. Et puis, voilà quoi. Vous verrez bien comment elle vous présente le jeu. Puis, je crois qu'elle explique sur une vidéo. Complète chaque carte. Il y a un petit peu du le normand, il y a un petit peu. Et puis alors l'avantage dans ce jeu aussi, c'est que vous avez comme dans les jeux de Célia. Ah oui, Célia, je ne vous l'ai pas dit, mais elle a un livre avec les. Que j'ai pas montré, pardon. Il est dans ma petite bibliothèque. Voilà, vous avez des mots-clés. Et ce qui est très pratique, je trouve, je suis sûre. Et pareil, pour le. Donc voilà, ça c'était pour l'oracle de Sceaux, pardon, je me mélange, c'est tard, je suis fatiguée. L'avantage du tarot, le premier tarot que je vous ai montré,
le Rebellion, là. Fantastique Rebellion, non, c'était pas ça. Un truc comme ça. Il y a un dépliant dedans, c'est une feuille A4 qui est pliée en accordéon et où vous avez que des mots-clés pour chaque, en anglais, mais c'est facile à déchiffrer, pour chaque carte. Parce que c'est vrai qu'il n'est pas évident à déchiffrer quand on ne connaît pas très bien le tarot. Voilà, ça c'est l'oracle de Massot que je suis contente de vous présenter. Et puis je vais vous montrer là maintenant un jeu qui sort de l'ordinaire mais que je voulais parce qu'il me faisait penser au 77. Je reviens tout de suite vers vous, je vais le chercher. Alors je reviens vers vous. Et donc ce jeu, c'est Juju qui me l'a offert pour Noël. Je lui avais demandé, parce que je fais des petits cadeaux comme ça de temps en temps. Et je lui ai dit, écoute, j'ai vu un jeu sur une chaîne étrangère, donc je crois que c'était encore sur la chaîne de Hermit's Cave. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Hermit Caves? Ouais, non, Hermit's Cave. Et il a présenté, voilà, ce Hollow Woods, qui veut dire, j'avais dû aller voir, The Hollow Woods. Elle saurait mieux vous l'expliquer, Claire, parce qu'elle parle bien anglais, moi pas. Et en fait, à la base, c'est un jeu. C'est un jeu pour développer, je pense, son intuition ou raconter une histoire. Et pourquoi je l'ai acheté? Eh bien, c'est tout simple. Alors, les cartes sont cartonnées, lourdes, c'est des grosses cartes. Mais en même temps, je me disais, tiens, c'est marrant, si j'ai envie de le colorier, je peux. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à le colorier, mais par contre, voilà, je pense que, par exemple, Soso, elle serait très forte, et même Julien, pour raconter des histoires. Regardez, ça fait comme le 77, mais avec des paysages voilà, qui continue quoi. Et ça, c'est juste incroyable. Que vous preniez n'importe quelle carte comme le 77, quoi. Hein. D'accord? Vous voyez? Voilà. Et que vous le mettiez là ou que vous le mettiez là. C'est super, non? Moi, je le trouvais super ce jeu. Et je me suis dit, ah non, mais celui-là, il me le faut. C'est exactement ce que moi, j'aurais aimé. Imaginez, mais comme je ne suis pas aussi douée en dessin, vous avez vu le 77, il est quand même super simple. Et ben là, c'est l'avantage de ce jeu. Et maintenant, je vais vous montrer chaque carte. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Après, c'est à nous d'imaginer des choses, de se monter une histoire autour de ce qu'on peut voir. Il y a, comment elle s'appelle qui fait Dixit le dimanche Founé, les cartes de la lune. Pardon, ça c'était. Pardon, oui, ça c'est le dos. Hein. Voilà, et encore une fois, hein, je vous le dis, c'est toujours raccord, toujours. Voilà. Donc ça aussi, c'est sur les sites étrangers. Mais il doit être à l'envers, c'est possible. Qu'est-ce que je fais? Ah mais oui, il était à l'envers. Il était à l'envers. Pardon, c'est le dragon. Voilà. Et là aussi, c'est à l'envers. C'est étonnant. Je trouve que c'est pas très raccord là pour le coup. Ah bah alors. Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Voilà. D'accord? On est d'accord là.
Et là, là, bon, si en haut, avec l'arbre. Donc voilà, chaque carte, je vous les montre vite, histoire de vous laisser tranquille ensuite. Donc oui, je disais Founé, le dimanche, elle a je crois qu'elle a acheté un jeu qui s'appelle Dixit, hein, je sais. Et c'est génial parce qu'elle nous invite à imaginer ce que la carte nous raconte. Et normalement, je pense que c'est fait pour ce jeu est fait pour les enfants. Je trouve qu'elle a développé une rubrique qui n'est pas vue et je trouve ça très très sympa. De temps en temps, j'y vais quand j'ai rien à faire le dimanche. Sauf que le dimanche, c'est plutôt... C'est comme ça ou comme ça là? C'est plus ça, hein? Hein? C'est plus ça. Je suis toujours dans mon ménage le dimanche. Pardon, je sais plus. Là, c'est mieux, hein. C'est mieux ça. Avec les arbres, oui, c'est ça. La licorne. Voilà, on arrive au bout. Le chaudron et le portail. Voilà. Voilà, vous avez tout vu. Je vous ai montré toutes mes richesses, toutes mes dernières richesses. C'est mes coups de cœur du mois de décembre. Et puis voilà, avec celui que j'ai récupéré et que j'ai échangé avec Hugues de la chaîne Saint-Cyd. Voilà, je vous remercie pour ce moment passé avec moi. J'avais rien de particulier à faire. J'amènerai les trois cartes pour les énergies de la Lune, peut-être, avec les 77, et puis on verra. Voilà, je vous remercie beaucoup. Voilà. Je vous embrasse. Au revoir, à bientôt. Prenez soin de vous.